Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Samedi 28 août, fête de Saint-Augustin. Les textes nous sont lus par Sœur Diane Audrey Rema de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commentés par le Père Jean-Paul Kwacha de la Société des Missions Africaines. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, en son quatrième chapitre, du verset 9 au verset 11. Frères,
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice. Et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 25, versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Allant, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents
s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon et à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de la parabole des talents chez Saint Matthieu est très pertinent. De quoi s'agit-il réellement? Il est question du don du maître de toutes choses. Sa confiance dans ses serviteurs est très importante. L'évangile nous fait voir que le maître en question est un homme bon. C'est quelqu'un de bien, car il s'en va en voyage et confie tous ses biens à ses serviteurs. Le maître en question, c'est Jésus qui nous donne sa vie. Saint Matthieu va plus loin pour parler de l'attitude des serviteurs vis-à-vis de leur maître et de ses biens. Qu'est-ce qui se passe au retour du maître? Le maître se réjouit avec le premier et le deuxième serviteur qui ont fructifié leur talent. Ils ont été fidèles en prenant soin de ses biens et en les multipliant. À eux, Jésus dit, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » En revanche, au troisième serviteur, tout lui a été retiré par son maître, car il a été un partisan de moindre effort. Il a mis en colère son maître. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que cela implique pour chacun des disciples ou enfants de Dieu que nous sommes? D'abord, il faut se demander, quel bien Dieu m'a confié par son Fils qui est notre Maître? Ensuite, qu'as-tu fait personnellement de ce bien ou de ce don? Ou bien encore, quel serviteur suis-je? Je pense que le bien que Dieu nous a confié est avant tout la vie. Ce don a pour finalité la joie avec Dieu. Le don de la vie pour nous est pour la joie de Dieu et la nôtre. Notre vie est un bien de Dieu. C'est un ensemble. C'est ma vocation, mes études, mon travail, mes affaires au quotidien, mes responsabilités que j'occupe, les personnes dont je suis en charge, que je dois protéger, nourrir, éduquer. Ce sont mes relations avec Dieu et l'humanité. Est-ce que je prends soin de cette vie? De quelle manière? Le troisième serviteur a rejeté la vie de Dieu, toute la volonté de Dieu et le désir que Dieu veut pour lui. Dans la vie, on n'enterre que ce qui est mort.
Donc, ce serviteur a choisi la mort et il a enterré la vie qui lui a été donnée. Il s'est enterré lui-même. Il ne voulait pas la vie de Dieu. Il a dit à son maître, « Voici ton bien, je ne l'ai pas touché. » On le retire tout et il revient au point de départ. Il n'a plus rien. C'est ce qui peut effectivement nous arriver. Quel serviteur es-tu? Suis-je un partisan de moindre effort? Est-ce que je fais partie de ceux qui croisent les bras en se disant « Dieu fera tout pour moi » Bien-aimé, aide-toi et le ciel t'aidera. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Celui qui perd sa vie pour le Christ et son royaume la sauvera, mais celui qui la garde pour soi-même la perdra. La vie, effectivement, est un don de Dieu. Dieu me l'a confié. Qu'est-ce que j'en fais? Que chacun de nous accueille la vie de Dieu. Pour saint Augustin, le docteur de l'Église dont on fait mémoire aujourd'hui, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Et ce qu'on possède, chers frères et sœurs, c'est la vie de Dieu en nous. La parole de Dieu que nous donne tous les jours, la parole que Dieu nous donne tous les jours, chers frères et sœurs, est esprit et elle est vie. Aimons-la et faisons ce qui plaît à Dieu et elle contribuera à notre bonheur. Accueillons-la pour ce qu'elle est vraiment, ainsi nous vivrons. Saint Paul l'atteste chez les Thessaloniciens. Ils ont accueilli la parole de Dieu qui les a aidés à vivre entre eux et avec Dieu. Ils sont dans la joie et l'espérance. Ils fructifient cette vie en Dieu dans l'amour fraternel et dans la recherche du pain quotidien. Entrons en possession de cette vie de Dieu, elle nous comblera de joie. Sans la fidélité à l'alliance faite avec Dieu, cette vie est difficile à accepter. Refuser de faire alliance, c'est choisir de mourir que de vivre. Choisir l'alliance, c'est choisir de servir Dieu par l'accueil de sa vie. C'est vivre dans la joie éternelle de Dieu, c'est ressusciter avec le Christ pour vivre éternellement. Jésus, je te demande aujourd'hui la grâce de reconnaître en moi le don de ta vie. Que ma vie est un don et qu'elle est faite pour la joie éternelle. Apprends-moi à la fructifier dans les choix de tous les jours. Renouvelle ma joie de vivre en m'accordant une vie d'amour fraternel et une vie sainte. Saint Augustin, priez pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.